J'avoue, j'ai testé la lamination des sourcils, puis écoute donc le vidéo jusqu'à la fin pour voir le résultat que ça a donné sur moi. La lamination des sourcils, ça s'appelle le brow lamination. C'est bien bien populaire sur Instagram. Les stars se font faire ça, les Insta populaires se font faire ça. Fait que je me suis dit, moi aussi, pour te simplifier la patente, la lamination des sourcils, c'est une permanente des sourcils. Fait qu'ils ont l'air, ils sont toutes peignées vers le haut, t'as pas besoin de maquillage, ça tient comme ça, tu te couches, tu te réveilles, t'es belle. Puis en même temps, ils ont l'air plus fournis. Fait que de même, par magie, t'es supposé d'avoir les sourcils de Marie-Pierre Morin. Mais ce soin-là s'offre avec l'option de teinture. Ils vont teindre ta peau pour qu'ils ont l'air un peu plus gros, plus fournis. Je me suis dit, j'embarque, je prends tout le kit, all set, on y va. Même si la technicienne m'avait conseillé de ne pas faire ça vu que je suis blonde. Une fois que le soin a été terminé, je me suis assise dans ma Fiat, puis je me suis regardée dans le rétroviseur. Toute rouge parce que c'était fraîchement épilé au fil, soit dit en passant, c'est super, c'est juste c'est rouge après, c'est normal. J'avais l'air de Mr. Bean, les gros sourcils noirs fournis bien luisants parce qu'au début, il faut qu'elle mette un produit qui hydrate. Je capotais là, j'étais plus sûre de ma chatte. Et là, j'embarque dans mon auto, j'arrive chez moi. Mon chum m'attend sur le coin du comptoir. Il m'a appelé chenille pendant 2 semaines. Parce que j'avais l'air d'avoir 2 grosses chenilles dans le visage. Fait que chenille. T'es bien fière de ma choc, là. La bonne nouvelle là-dedans, c'est que la teinture reste environ 1 semaine. Moi, j'ai frotté un peu, ça a brisé un peu la lamination, mais je pouvais pas vivre avec le fait d'avoir les sourcils de Mr. Bean dans ma face. Puis de me faire appeler chenille. Puis la permanente, elle dure 1 mois et demi, 2 mois, un peu comme le lash lift, dépendamment comment tu vas l'entretenir. Si on parle juste de la lamination, j'ai vraiment aimé ça que mes sourcils aient l'air bien placés tout le temps, pas besoin de maquillage, rien. Moi, je suis pas quelqu'un qui se maquille beaucoup, fait que juste le glow de tes sourcils sont bien placés, t'es pas obligé d'être là avec ta petite brosse, c'est un gros must. Je vous le conseille, sauf si vous êtes blonde, mettez pas de teinture. À moins que vous aimez ça, les gros sourcils fournis, foncés, mais sinon, oubliez la teinture, ok? C'est pas une bonne idée, je l'ai testé, photo à l'appui, vous voulez pas ça, ok? Je l'ai faite pour vous. Oubliez pas de vous abonner!